وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith sahih. Écoutez bien et je vais finir avec ça. Le jour du jugement dernier, il va voir des gens de sa communauté, il va les accueillir pour qu'ils viennent boire du bassin. Al-Kawthar. Il va les reconnaître comment? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous reconnaît le jour du jugement dernier? Aux traces des ablutions, les traces de l'eau. Donc c'est des gens qui font la prière. Il va pour les accueillir, les anges ils vont venir faire un mur. Ils vont les empêcher de venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, ce sont ma communauté, laissez-les passer. Les anges vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont pas cessé de revenir sur leurs pas, ils ont changé la religion après toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se fâcher et va leur dire, loin de moi ces gens-là. Et ils seront interdits de s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de boire de son bassin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.